de chemin. Bonjour Olivier. Alors c'est gentil à toi de nous accueillir chez toi aujourd'hui. Donc tu fais partie de la nouvelle anthologie Tomber les voiles. Oui. Avec une nouvelle qui s'appelle L'esprit du péché. Mmh. Et en quoi alors consiste cet esprit ? Alors, révéler de la signification du titre serait révéler de tout le contenu de la nouvelle. Donc, je ne vais pas aller, expliquer ce qu'est le titre. Cependant, je peux déjà dire que la trame de l'histoire se déroule en Irlande, et notamment dans une abbaye qui, malgré le fait que les lecteurs vont sans doute penser que c'est inventé, est une abbaye qui a réellement existé, qui s'appelle l'abbaye Tuam, dans laquelle on a effectivement retrouvé pas mal de cadavres. Donc j'irai pas expliquer au-delà, mais... Je dois dire que en fait l'Irlande est connue justement pour ses... qui avait des mœurs très catholiques, et en fait les jeunes filles qui avaient péché en fait étaient souvent envoyées en fait dans ces lieux pour enfanter. En fait, c'est même une tradition en fait des abbayes. On pense souvent qu'en fait les jeunes femmes de bonne famille étaient mises dans les abbayes pour conserver leur virginité, mais c'était plutôt l'inverse en fait. Oui, la virginité avait été consommée et il fallait cacher quelque chose. Voilà, donc effectivement, comme c'était un terrain déjà très propice à ce genre d'histoire, moi, il m'a semblé, quand j'ai vu le thème cette année de Tomber les voiles, que c'était le meilleur endroit pour effectivement écrire une nouvelle avec cette notion de tomber les voiles, justement, avec cette notion religieuse. Mmh. Donc c'était un terrain très propice, un terrain très catholique, parce que moi, je ne suis pas forcément quelqu'un de très croyant envers, on va dire, une représentation humaine de la religion. Et du coup, moi, j'ai pensé effectivement placer l'histoire de ma nouvelle dans un pays très catholique pour effectivement aller dénoncer ce qui s'était passé dans la région. Il y a une espèce de dénonciation, d'une indignation chez toi, justement, oui. Devant ces faux-semblants. Devant cette bonne pensée, devant cette... Alors c'est très souvent, effectivement, dans toutes mes nouvelles, on retrouve très souvent un rapport entre le Dieu et le diable et l'homme au milieu. Mm-hmm. Et c'est pas forcément une... Alors souvent, mes lecteurs m'ont reproché de dire, ben oui, mais c'est hyper religieux, c'est... Non, pas du tout. Moi, je suis plutôt l'homme étant, effectivement, en dehors de la religion. C'est plutôt ça, mm-hmm. ma dénonciation aujourd'hui. Je suis ni croyant du diable, ni croyant de Dieu. Alors, on pourrait dire anthropocentriste, un peu. Oui, alors, je ne connaissais pas le mot, mais effectivement, c'est... Je ne sais pas s'il existe, mais bon, inventons-le. Hein. Effectivement, le pouvoir appartient à l'homme, quoi, finalement. Finalement, c'est lui qui est doué de création. Oui. Voilà. Ouais. Et donc, c'est lui qui crée son propre malheur, comme il peut créer son propre bonheur. Et ça ne veut pas dire que je réfute l'existence d'un au-delà. Mm-hmm. Qui, j'espère, existe. Alors ça, c'est une espérance de l'homme. j'en doute. En tout cas, je suis sûr que l'homme représentant Dieu sur Terre ne donne pas la bonne parole. Voilà, c'est ce que tu me dis, en fait, c'est que il ne faut pas croire, il faut avoir la foi. Voilà, c'est bien résumé. Et dans ces lieux de foi, justement, on s'aperçoit finalement que ce n'est pas la foi qui domine. Effectivement. Et c'était effectivement le but de cette nouvelle, c'était d'exprimer, sans le dire véritablement, c'était d'exprimer cette idée. Alors parle-nous un peu de tes autres nouvelles. Alors toi, tu es un auteur qui, tu te considères plus comme un auteur de fantastique, un auteur de l'imaginaire. Tu te placerais où en fait ? Alors moi je vais écrire tout ce que mon imagination va me dicter, aussi bien de la science-fiction que du fantastique. Moi, je suis plutôt un auteur fantastique, parce que la science-fiction, c'est quand même entrevoir la science, ce que sera la science dans quelques centaines d'années. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ta définition. Hein. Pour moi, la science-fiction, c'est pas simplement la science. C'est peut-être parce que je ne l'ai pas compris que j'en écris pas. Voilà, pour moi, c'est plutôt une préconition en fait, de l'avenir. Oui. C'est-à-dire de voir quels sont les possibles, les champs des possibles,
pour une société. C'est vrai qu'on est dans une société qui est axée vers la science, qui est axée vers le raisonnement, vers le qui est très cartésienne, finalement, avec une méthodologie. Mais finalement, en fait, d'autres sociétés ont des avenirs aussi, et donc ils sont plus proches de la religion, comme on peut le voir dans la nouvelle. Dans la nouvelle, mais aussi comme on peut le voir aussi dans notre quotidien, avec tout un tas de voiles aussi. Hein, voilà. Et donc toi, tu te considères plus comme un écrivain d'imaginaire, et un imaginaire qui va vers le fantastique. En fait, je me mets pas dans des cases, au final, parce que ça, c'est une case. Oui. Moi, j'écris. Je suis désolé. Hein, mais c'est vrai. Non, mais la question, elle est très bonne, parce que finalement, moi, je vais écrire ce que me dicte mon imaginaire. Donc après, on peut me classer dans du fantastique, dans de l'horreur, dans de la science-fiction, etc. Moi, on va dire que j'écris dans l'imaginaire, en règle générale. Après, celui qui veut me placer dans la science-fiction, il m'y place. Moi, je vais dire que je me placerai plus dans la case fantastique. J'ai déjà écrit plein d'histoires sur des androïdes qui n'avaient rien à voir avec du fantastique, qui étaient pour le coup que de la science. Mais c'est ce que me dictait mon imaginaire et ce que me dicte mon monde virtuel, on va dire. Alors aujourd'hui, tu es un écrivain qui a quand même publié beaucoup de nouvelles. Quelques-unes. Voilà. Beaucoup, je dirais pas ça, mais quelques-unes. Ouais. Quelques-unes, tu en es à combien? Entre une vingtaine, une trentaine, je les compte pas, parce que bon, j'ai eu des... C'est quand même important. Hein, Oui. Alors si je compte pas les anthologies qu'à mon nom, parce que c'est vrai que j'ai deux anthologies chez un autre éditeur où j'ai à peu près une cinquantaine de nouvelles sur deux volumes. Mais... Il y a une certaine production finalement chez toi. Oui, mais parce que moi je suis. Mais tu es dans le format court. Je veux dire, le roman, c'est. Alors, je m'y tourne un petit peu plus là maintenant, parce que je pense que j'écris depuis longtemps. Je suis jugé par mes pairs depuis peu, depuis à peu près 2 ans. Cependant, j'écris pour de. Je commence à écrire des romans parce que je me sens prêt. J'ai été jugé par mes pairs. On m'a donné des conseils, on m'a dit effectivement qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, donc j'essaie de m'améliorer tous les jours, puis tous les jours l'écriture s'améliore, hein, effectivement. Et du coup là je me sens prêt à écrire mon premier roman, donc j'ai commencé à écrire mon premier roman. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, voilà. Et c'est en plumant qu'on devient plumeron, c'est ça? Ah bon, si on le dit. Mais si tu le dis, mais effectivement j'avais déjà écrit un roman qui s'appelle Wakehurst, qui est publié chez un autre éditeur, qui ressemble un peu à l'agglomération de nouvelles. Là je suis vraiment sur le roman avec le développement de ma nouvelle La Pierre qui a été publiée l'année dernière dans l'anthologie du Point de la Lumière. Qui sera édité ou non, on verra, hein, après la dernière le dira, mais je commence à m'orienter dans le roman. Mais c'est pas la même technique, c'est comme un coureur de fond, c'est-à-dire que dans la nouvelle, c'est un sprint, hein, il y a une distance, et donc c'est 100 mètres, 200 mètres, et puis il faut fournir un effort à la fin, et alors que dans l'endurance, c'est tout à fait différent. Mais j'aime bien parce que au final, on peut se permettre de plus s'apesantir sur les personnages, plus sur les lieux, et puis vraiment tirer une trame. Sur la nouvelle, on est obligé d'aller tout de suite on au vif. On peut prendre le temps. Voilà, on peut prendre un peu plus de temps. Quitte à, je pense que c'est un peu mon défaut, aller peut-être un peu trop dans la description et dans les longues. Maintenant, je pense qu'il y a une intimité plus importante en fait, entre l'auteur et le lecteur, que dans une nouvelle. Tout à fait. Dans une nouvelle, c'est vraiment c'est une découverte, c'est un point d'interrogation, ça peut être une gifle, des fois une claque, alors que dans un roman, s'installe en fait une complicité entre l'auteur et le lecteur, et c'est sur la durée en fait, où il faut donc un rythme. Puis, effectivement, on est plus proche du lecteur, et puis on peut exprimer des choses beaucoup plus profondes que dans une nouvelle. Oui, parce que je pense que tu es un auteur très structuré, en fait, très structuré. Il y a cette volonté chez toi, en fait, de structure narrative, et je pense que finalement, dans un roman,
en fait, tu vas pouvoir justement Je sais pas trop. Tu vas me toujours. donner beaucoup plus d'arborescence en fait à ta pensée, en fait, et à ta pensée, à l'histoire, etc. Et c'est vraiment cet arbre, en fait. C'est un roman, c'est un arbre que l'on plante et que l'on voit grandir, dont les branches se développent et dont le feuillage apparaît. Et chaque feuille, en fait, est une page. Oui, et puis bon, c'est vrai que ça me permet de construire une histoire beaucoup plus romancée avec des rebondissements. Voilà, finalement, presque à chaque page, c'est une petite nouvelle avec un rebondissement. Enfin, j'invite le lecteur, si effectivement ce roman sera publié, à le découvrir. Mais ça sera effectivement dans le monde de la pierre. Et si certains se questionnent sur. La pierre, tu peux nous en rappeler un petit peu, je veux dire, Bah, la ce pierre, serait. c'était l'histoire d'un alchimiste qui s'adjoint les qui s'adjoint le qui s'adjoint un serviteur dévoué et qui finalement le serviteur découvre que s'illumine de lui-même à la connaissance. Donc là-dessus, je faisais un petit peu je mettais en exergue le fait de pouvoir de la connaissance par rapport à Oui, c'est finalement à sa ça, son, condition. voilà, c'est ça. C'est ça. S'élever par la connaissance, C'est ça, c'était ça, effectivement. il y a une espèce de trou noir, en fait. Hein. Je veux Voilà. dire, cette connaissance, cette espèce de trou noir qui aspire à l'être humain vers cette non-connaissance, en fait. C'est son non-savoir, en fait, qui l'attire à la Alors, connaissance. il y a une dualité un petit peu, parce que la connaissance Parce que permet c'est un ignorant, en fait. Hein. C'est voilà. un ignorant. Ça permet Un d'être innocent. un Un ignorant, innocent, et un. l'innocence, la connaissance permet de s'illuminer au pouvoir et au final, la connaissance peut parfois aussi conduire à la déchéance. L'histoire était greffée là-dessus. Alors, Bah, c'est toute la différence en fait justement entre ces savants en fait que l'on dit toujours au service du pouvoir, donc des savants hein, qui servent justement ce pouvoir maléfique et je dirais l'intellectuel qui est là pour être indigné finalement devant ce pouvoir. Donc, Parce qu'il y a beaucoup d'indignation en fait hein, chez toi aussi. Notamment dans l'esprit du péché, il y a une certaine indignation. ben, indignation par rapport effectivement à ce qu'on se permet de commettre au nom de Dieu, finalement c'est très actuel, c'est très très dans l'actualité, même si c'est propulsé au 19e siècle, c'est très actuel. Mais je voulais pas rajouter une couche, effectivement, en parlant de l'actualité d'aujourd'hui qui est déjà assez lourde. Et c'est pour ça que j'ai un peu dirigé mon histoire sur. Vers notre propre péché, en fait, le propre péché de nos religions, en fait. Voilà. Voilà. Bon, Parce après. que c'est bien de parler des péchés des autres, mais parlons des nôtres. Voilà, Voilà. libre à celui de. Libre à celui de croire en Dieu ou de ne pas le croire. Hein. Moi, personnellement, j'y crois, mais pas tel que on le définit aujourd'hui. Mais il faut aussi se rendre compte de ses propres péchés, effectivement. C'est Voilà. ça. Voilà. Il faut qu'on devienne tous des saints crétins. Qu'est-ce que Voilà. tu en penses, Barnett? Non, pas crétin, parce qu'il faut effectivement Non, mais rester. des saints crétins. Comment ça, pourquoi crétin? Bah, parce que. Des saints, voilà, après c'est le respect d'autrui, c'est surtout Oui, voilà, c'est là-dessus ça. Oui. que j'accentue mon voilà Ça, les le idées, respect, c'est la reconnaissance de la dignité de voilà, l'autre. comme je sais plus quel écrivain, parce que ça m'échappe, mais disait l'enfer c'est les autres, Ah, c'est Sartre, je Sartre, crois. voilà, l'enfer c'est les autres, et ben le paradis c'est aussi les autres, donc on peut pas non plus. Bon, on ne peut pas dissocier les deux, quoi. Donc il faut apprendre à vivre en communauté en toute intelligence. Voilà, C'est pas facile, hein. Oui. Bon, après, je n'ai pas la prétention de faire de la philosophie, hein. Ça reste de l'histoire imaginaire et faite pour divertir. Hein. Après, si ça fait réfléchir à côté, c'est pas plus Bah, mal. je pense que c'est toujours l'imaginaire est toujours une Ah base à la bah. réflexion, je veux dire. Après, chacun peut le lire comme il l'entend. Après, soit on le lit comme étant Réfléchir, réfléchi. c'est pas être libre, hein, finalement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, c'est vrai. Ça peut être pris comme du pur divertissement, auquel cas, ben, on peut pas se poser de questions, effectivement, être plus libre que Dans celui. l'imaginaire, il y a plus de liberté que dans la réflexion. Ah bah ben, oui, forcément, puisqu'on peut se permettre de créer n'importe quel monde.
Donc, enfin, l'imaginaire permet de s'affranchir de des frontières. Donc, De les reculer, de repousser des frontières. C'est comme dans Star Trek, tu sais. Les repousser, je sais pas, mais même sans la franchir. La frontière, mais oui. Qu'est-ce qui, voilà. Finalement, qu'est-ce qui t'empêche d'écrire Est-ce qu'on peut se. Il n'y a rien qui te bloque à écrire ce que tu veux. Est-ce qu'on peut la saisir, ce réel? Est-ce qu'on peut le saisir vraiment? Mais là, là est la question. Après, le réel. Par contre, on peut voir à quel point, justement, les croyances sont des murs et sont nos conditions, en fait. Après, il faut s'affranchir de ça, au final, parce que on nous dicte des croyances. Elles nous sont dictées pas par Dieu, finalement. Elles nous sont dictées par des hommes. Donc, et le problème est là, hein. C'est que le jour où Dieu arrivera sur Terre et nous dira effectivement vous devez croire à ça, là on pourra le croire. Et encore, est-ce qu'on ne doutera pas que c'est véritablement. C'est-à-dire que ceux qui professent la parole de Dieu, on les prend souvent pour des illuminés ou des allumés. Pas tous. Ça dépend tous. Pas tous. Ouais. Pas tous, parce qu'au final, il y a énormément de croyants. Donc, Oui, il n'y a que des croyants. Il y en a très peu qui ont la foi. Il n'y a que des croyants. Oui, c'est une différence entre la croyance et la foi, effectivement. Oui, il y a une énorme différence. Et tu me fais beaucoup réfléchir à ma nouvelle, finalement. Moi, je ne l'ai pas écrite avec Ces ça. Idées derrière, mais peut-être inconsciemment. Parce qu'il faut ça. Je pense que il faut s'interroger sur les processus de création. Oui. En fait. Bon, tout ça, c'est inné et inconscient. Hein. C'est la spontanéité qui compte toujours, en fait, même dans l'écriture. Mais cette histoire, c'était un moment que ça me trottait dans la tête. Il peut y avoir une trame, mais il y a quand même le jet est spontané. Je veux dire. Même si le sujet finalement de tomber les voiles avec la voile de la religieuse n'est pas très original. Hein. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont eu cette idée-là aussi. Alors oui, vous étiez deux à avoir pensé. Ah, oui. Oui, simplement deux sur plus de 250. Ah, parce que justement, lorsqu'une idée est peut-être évidente, en fait, personne l'exploite. Quelqu'un ne va pas l'exploiter. Ah oui. Ouais. Très bien. Donc, il y aura deux nouvelles qui étaient très proches, une de l'autre d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Oui, donc au final, voilà, c'était un choix d'exploiter ce thème-là, mais c'était un thème qui me tient particulièrement à cœur, quoi. Mmh. Oui, quelque chose qui se rapproche beaucoup de mon imaginaire. Il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup d'injustice dans cette Irlande, justement, du 20e siècle, en fait, jusque dans les années 70, en fait. Cette affaire de Tuam, on a encore du mal à s'expliquer comment ça a pu être possible, par des religieuses, surtout. Ouais. Surtout ça, quoi. Ouais. On se dit encore, bon, ce sont des gens, des villageois, bon, on aurait du mal déjà à l'expliquer, hein, mais des religieuses, des représentantes de Dieu. Genre on se dit, il y a quand même un malaise. Un vice. Oui, le vice de l'homme qui est déjà ancré avant de croire. Ouais. Au final. Et c'est vraiment un malaise, quoi. Oui. Bon, moi, je suis très partisan. C'est vrai que je n'en ai jamais parlé à ton micro, mais moi, je suis très. Ah, tu peux parler au micro. Hein. Très, très partisan du glauque. Donc, du glauque. Ouais, pour moi, c'est un. Espèce d'attirance, Ouais, tu vois, j'adore les. Vers le style Angel Heart, ouais. Très glauque, très noir, les univers très noirs, d'accord. Où il n'y a que du pessimisme, pas d'optimisme. Donc, où l'homme, finalement, c'est pas le jouet des forces de Dieu, mais c'est. Je vais me répéter un peu, mais c'est quand même le trou noir qui attire la lumière, hein, voilà. Et pas l'inverse. Hein. Et du coup, moi, je suis un défenseur du glauque. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Et moi, j'ai mon fils qui regarde des films, il va me dire, Seven, par exemple, il va me dire, mais c'est trop glauque, c'est trop noir, c'est trop sombre. Mais finalement, moi, je vois que du bonheur dans la vie, mais la vie, ça peut être aussi ça, quoi. Et surtout qu'il y a aussi cette, lorsqu'on parle de règles, de croyances, cette croyance dans le beau, dans... Et même, on s'aperçoit que même les codes du beau, en fait, sont du glauque, etc. Enfin, les codes du beau, en fait, sont ça devient une prison. Oui, puis finalement,
y a beaucoup de gens qui écrivent sur le beau et sur le moi des après je juge pas hein, après, tout le monde a ses lecteurs et tout le monde a ses univers mais le glauque au final on a on voit pas trop de production enfin je crois pas on en voit mais Shutter Island par exemple Je pense qu'il y a une Angel production Heart. espagnole très importante en ce moment, Alors peut-être que justement, c'était très très, ouais, orienté au niveau espagnol. cinématographique, parce qu'ils vivent des événements quand même qui sont terribles Ouais. chez eux. Donc il y a une production cinématographique Inconsciemment, peut-être je me suis espagnole. dirigé vers ce pays-là, surtout que je le connais quand même relativement bien, étant marié moi-même à une espagnole. Et donc, Bah, je connais. Franco, c'est pas Oui, loin. exact, Au exact. Portugal, Mais je Lazare, c'est m'étais pas j'avais loin. jamais rapproché effectivement de ça. Effectivement, on voit l'Orphelinat, effectivement, le film espagnol, qui se rapproche assez près de mes univers. Ou Les Autres, avec Nicole Kidman, qui est pourtant Oui, tout qui est à un film fait. espagnol aussi. Et c'est vrai que c'est assez proche de mes univers, c'est des univers que j'aime bien. C'est vrai que c'est Et pas donc, toujours des univers colorés, bariolés et oui. festifs, hein. Pourtant, il y a des beaux paysages, Pourtant, oui. mais mon roman, effectivement, est un peu glauque. Donc, je préviens déjà le lecteur, si un jour il est D'accord. publié, Donc, qu'il sache déjà que. L'Esprit du péché et La pierre sont des romans noirs. J'aime pas trop Oui. le terme Alors, glauque. plutôt noir, si tu veux, oui. Mais Noir. glauque, ça n'a pas forcément une connotation. Ouais. Bon, Parce bah, c'est à voir, c'est à bon. découvrir en fait. Ouais. Voilà le glauque de Barnett Chevin. Comme les cimetières des innocents, Comme le finalement. cimetière des Et l'abbaye innocents, du âme, finalement, c'est toujours un peu les mêmes endroits. oui, des D'ailleurs, on parle de endroits. cimetière dans l'esprit du Voilà. péché, Ouais, aussi. des endroits poussiéreux Voilà. où on se. On n'a pas envie d'y être. Voilà, et qui nous ramène justement à cette poussière. À la Toujours. réalité de la monstruosité de l'homme. Aussi. Ouais, c'est. Ouais, je sais pas si. Un petit peu, quand même. Voilà, c'est. Je sais pas, ça dépend du miroir qu'on a en face de nous. Oui, bon, ça ne nous empêche pas de boire un coup. Bah non, pas du tout. Bah tiens, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Voilà. Bah, merci Barnett, Oui. l'esprit du péché, ton mot Merci. d'ouvrage. Ouais. Il faut voter pour moi, bien sûr. Ah, tu veux qu'on vote pour Ah toi? bah oui. Voilà, tu as encore J'ai tellement de confiance, quoi. choses, à écrire sur Voilà. ce Bah ouais, je sujet-là. pense que c'est important en fait de consulter les lecteurs sur ce qu'ils ont envie de lire, ce qu'ils ont envie de découvrir, sur Bah, les auteurs ils qu'ils ont envie décideront. de propulser en fait. Donc c'est un peu pour ça en fait qu'on consulte les lecteurs. Finalement, ce sont pas simplement des. On ne veut pas qu'ils soient que des consommateurs, mais qu'ils fassent partie du Oui. processus créatif, Ah ouais, tout moi comme l'écrivain. j'y Parce qu'en adhère. fait, je veux dire, lire un livre, c'est un processus créatif qui se déroule entre un auteur et un lecteur. Et Ah bah moi j'y adhère complètement, cette hein. œuvre, Après. elle est issue de ces deux individus qui se rejoignent Tout à fait. à travers des signes. C'est Voilà. beau. Voilà. Ok, merci Barnett. Merci À Olivier. très À bientôt et bientôt. bonne chance pour Merci. l'Esprit du péché.